Afin de payer les producteurs de cacao durant la prochaine saison, le gouvernement ghanéen devrait probablement recourir au fonds de stabilisation. Accumulé durant les années de hausse des coûts mondiaux de la matière première par l'exécutif, le fonds est destiné à atténuer l'impact de la volatilité des prix sur les producteurs. D'après Bloomberg, cette stratégie est d'autant plus nécessaire afin de permettre au Conseil ghanéen du cacao d'assumer financièrement ses choix pour la filière. Pour rappel, selon les dernières prévisions de l'Organisation internationale du cacao, le Ghana devrait produire en 2016-2017 950 000 tonnes. Au Nigeria, la compagnie pétrolière Fort Oil compte lever 20 milliards de naira, soit 62 millions de dollars, sur la NSE en vue de diversifier ses activités. C'est ce qu'a relevé le directeur exécutif de la compagnie. En ce qui concerne la prochaine levée, il a affirmé que des négociations sont actuellement en cours entre la Security and Exchange Commission et la NSE. Basée au Nigeria, Fort Oil opère principalement dans le secteur aval pétrolier et gazier du pays. Au Nigeria, le président par intérim Yemi Osinbajo a annoncé que l'autorité nigériane pour les investissements souveraine, en partenariat avec la NSE et d'autres investisseurs, injecteront 600 millions de dollars dans le fonds d'investissement pour le développement du secteur minier. Concernant le financement à venir, Osinbajo a rappelé qu'un autre montant d'environ 100 millions de dollars a été accordé au ministère des Mines dans le cadre du fonds d'intervention pour le développement des ressources naturelles mis en place par l'exécutif. Il faut préciser que dans le cadre de son plan de relance et de diversification économique, le secteur minier doit contribuer au PIB à hauteur de 27 milliards de dollars d'ici 2025, selon le président par intérim.